Oh, God, I got. Yep tout le monde, c'est Gotaga, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Vous remarquerez, depuis que je suis plus master, mes persos, j'avais fait deux persos assez stylés avec les éléments Grand Master, et du coup il me reste plus que ces deux là. Et du coup, on a décidé de se refaire, on a décidé de voilà, 500 box, comme ça. Alors là, directement, je vois les mecs pouces rouges, 500 box, abuse un peu, t'as mis beaucoup d'argent, blablabla. Qu'est-ce qui vous dit que j'ai mis de l'argent? Ça se trouve, voilà, il y a Activision qui s'est dit, tiens, Gotha, tiens, on va commencer par les ouvrir. Tiens, Gotha. Des petits codes. Ben voilà, ça commence, Stinger. Voilà, deux trucs élites. On commence super bien. Tiens, Gotha, des petits codes pour ouvrir des box et faire kiffer. J'entends trop de sonnets d'élite là. Vous entendez aussi ou pas? Alors, j'ai encore rien. Regardez, je vais vous montrer un peu ce que j'ai pour l'instant. Opérateur personnalisation. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Arsenal, tous les butins. Donc ça on s'en fout un peu, on va faire trier rareté. Voilà, donc on a déjà pas mal de choses, mais comme vous avez pu voir, on a aucun équipement nouveau, tous ces petits trucs. Ah si, on a ça, on a le casque punk. À part le casque punk, on a rien du tout. Du coup là on a des sledgehammer. Ouais, c'est cool ça. Les éditeurs qui donnent des petites casquettes, tiens. Bon, c'est fictif, mais voilà. Non, donc je vous dirai pas, parce qu'il y a déjà des gens, je pense, qui exothermal. On découvre, hein. On découvre tout comme vous, parce qu'il y a des nouvelles choses. On va se faire des persos après. Vous allez voir, on va se faire des petits persos assez sympas. Vous allez voir, c'est cool. Alors pourquoi 500? Alors déjà, j'avais l'idée, j'en avais déjà ouvert exotique. Mais wesh, il y a trop de trucs. Écoute, il y a trop de trucs. Alors certains diront, ouais, t'as abusé quand même. 500 packs, c'est un peu chaud. De toute façon, dans les deux cas, si j'ai reçu un code, les gens diront que voilà, je suis un vendu d'Activision. Et si je les ai achetés, les gens diront, ah, c'est là que tu mets l'argent. L'argent qu'on fait avec les dons. Non, d'ailleurs, je vais vous en parler un peu de cet argent. Parce que la dernière fois, j'avais fait un petit débat sur un de mes streams pour savoir à peu près. Parce qu'il y avait eu un... Sur mon passage sur France 4, casque de Kraken. Tout bleu. Ouais, mais est-ce qu'ils ont mis les autres trucs aussi? Parce que là, tu vois, si c'est encore juste ça et l'exo, tu vois, c'est un peu dégueulasse, quoi. Sur France 4, il y a un moment, la meuf a dit, ouais, Gotaga gagnerait même jusqu'à 20 000 euros par an, par mois, pardon. Du coup, j'ai fait un petit débat, parce que c'est totalement faux ce qu'elle a dit. Je préfère vous le dire honnêtement. Mais du coup, j'ai fait un petit débat avec des... Donc ça, on a déjà tout. Avec les gens sur le stream, leur demandant, est-ce qu'ils pensaient que je gagnais entre 1000 et 3000 euros? Enfin, 1000 et 2000 euros, je crois. 2000 et 5000, 5000, 10000 ou 10000, 20000 ou 20000 et plus. Et il y en a beaucoup qui ont quand même voté 20000 et plus, tu vois. Donc je me suis dit, oula, il y a pas mal de choses. Ouh, casque luminescent, ouh, intéressant. Et bref, ouais, je voulais en parler de ça parce que beaucoup de gens se font des fausses idées par rapport à ça. Donc oui, aujourd'hui, je tiens à être honnête. Ouais, ils veulent plus m'en laisser ouvrir. Ah, c'est bon. Je tiens à être honnête avec vous. Aujourd'hui, oui, je gagne bien ma vie grâce au gaming, etc. Mais il faut savoir un truc, c'est que c'est pas un domaine comme The Doctor. On l'a déjà, mais j'avoue que ça va en faire rager certains. C'est pas un domaine où tu peux... C'est pas comme si t'étais avocat ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que tu peux pas vraiment te déclarer en tant que joueur professionnel. En France, en tout cas, tu ne peux pas. Exo de Kraken, bah voilà, on a le truc complet. Je pense pas qu'il y a d'autres trucs Kraken en plus. Tu peux pas te déclarer en tant que je suis joueur professionnel. Donc soit t'es auto-entrepreneur, soit tu gagnes plus que le maximum et tu dois créer ta propre société et aller de... Lui, je le voulais, lui, par contre. Lui, je le voulais, cadencement 1, ça c'est un peu chiant. Mais j'ai envie d'avoir les M1 Iron parce que j'ai envie de faire un petit défi prochainement. Vous verrez, de toute façon, si j'ai réussi ou pas à le faire. Et du coup, quand t'es obligé de créer ta société, demandez à votre papa ou à votre maman. Nice! C'est bien ça, les petits coffres comme ça où il y a 3 élites d'un coup. Ce que c'est une société, c'est-à-dire que je vais pas vous dire exactement combien on me prend pour les impôts, mais c'est minimum 50%. C'est-à-dire que tout ce que je vais gagner via YouTube, via les dons, via tout ce que vous voulez, 50% en moins. Chapeau de cowboy, let's go. Genouillère Biohazard. Bah, si on arrive à avoir le kit complet Biohazard, ce serait pas mal. Déjà, je tenais à vous le dire, c'est-à-dire que si les gens pensent déjà que je gagne plus de 20 000, faudrait dire que de base je gagne plus de 40 000, à peu près. Et encore, je vous ai pas donné le pourcentage exactement, mais je vous cache pas qu'on me prend énormément par rapport à ça. C'est la France, c'est comme ça, donc il y en a certains qui font du YouTube, etc., qui arrivent à gérer pour ce chapeau de surfeur. Let's go.
bottes de Ranger. On l'a déjà celui-là. Il y en a qui arrivent à. Voilà, parce que c'est un domaine, on va dire, qui est pas encore assez haut. Et du coup, bah le fisc ne te. Ah, Exode Cowboy, let's go. Ne te fait pas encore assez chier, on va dire. Donc il y en a qui passent à travers les mailles du filet. Beaucoup, beaucoup de joueurs pro, justement. Wow! Ah oui, je le mets direct, ça fait genre j'ai un brain de ouf, tu sais. Par exemple, des joueurs CS ou autres qui gagnent énormément grâce. Casque thermal. Putain, j'arriverai pas à parler avec tout ce que je débloque là. Lui, ça fait un peu Iron Man. Il y en a beaucoup qui se déclarent pas et qui ont raison. Peut-être que le fils va pas leur tomber dessus. Moi, j'ai préféré me déclarer, être normal. Et plus tard, bah par exemple, si je veux. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que malheureusement, avec ce domaine aussi, c'est pas des choses régulières. C'est des choses du hasard. Let's go. C'est des choses qui, du jour au lendemain, peuvent s'arrêter. Exolagon. On n'avait pas débloqué le truc de Lagon tout à l'heure? Si, je crois. C'est-à-dire, du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. Ils sont grave stylés. Et c'est des choses variables. C'est-à-dire que tous les mois, je ne gagne pas exactement la même somme. Parce que voilà, il y a le stream, il y a YouTube, il y a les dons, il y a les tournages définitifs, il y a les cash prizes, il y a le salaire millenium. Tout dépend, c'est vraiment des variables qui fait que bah je peux pas aller voir une banque et leur dire nice. Lui, je le voulais lui aussi. Je peux pas aller voir une banque et leur dire leur demander un crédit comme ça parce que malheureusement bah c'est pas des trucs fixes, etc. Du coup, c'est un peu galère. Si demain je veux m'acheter. Nice! Royalty! Il est trop stylé! Et les bottes de cobaye aussi, c'est plutôt cool. Après, on va se faire des persos bien punk, vous allez voir. Exo Biohazard, on l'a déjà. Ah! Exo. Attends, ça donne quoi? Ok. Bref, tout ça pour dire qu'il y a pas mal d'inconvénients par rapport à ça, un point de vous cacher. Beaucoup croient trop qu'on est sur notre île dans notre jacuzzi en train de se la couler douce, mais pas du tout. J'ai vu un autre truc aussi dernièrement par rapport à ça. C'est-à-dire que j'ai été à un live qualificatif fait par Scream, Mia. Donc c'était pour une association d'Afrique, etc. Ah, M-Iron, Desert Wonderhead. Donc pas ouf. Tu perds un dégât. Ah d'accord, t'as plus de balles dedans. Nice. Donc ouais, j'ai été dans un live caricatif, etc. Donc voilà, pour mettre un peu d'ambiance, parce qu'avant que j'y sois, donc j'y suis allé vers... Donc c'était la semaine dernière, j'y suis allé vers les taux de 22h, c'était en même temps que les 20 ans de Gad Elmaleh sur TF1. Donc tu vois, c'était pas le bon moment pour faire un live caricatif. Ils faisaient ça 24h, ils invitaient du monde. Donc il y a Broken qui est passé, il y a pas mal de monde qui est passé, etc. Et du coup, moi je suis passé. Et avant que j'y sois, il y avait à peu près Exo Royauté. On l'a déjà, mais ça fait plaisir, ça fait rager les gens qui regardent la vidéo actuellement. Et du coup, j'y suis allé. Casque retour de flamme. Nice, il bouge tout seul. T'imagines dans la vraie vie, t'as un casque comme ça qui bouge tout seul, genre en gif animé. Normal. Donc on a fait quelques games, etc. en ligue, donc c'est sympa. Et puis au fur et à mesure, les Exo retour de flamme. On a le casque avec. KF5 Royalty. Portée. Bon, c'est juste la portée, mais elle est stylée. On veut du royalty, les potes. On veut du royalty. Let's go. Et bref, pour ambiancer un peu le live, du coup, moi, casque de Kraken, on a déjà. On fait des paris, etc. Par exemple, pour enjailler un peu les viewers, je dis, ouais, si on gagne cette partie, tu montes tes boobs, tu vois. Donc forcément, ça enjaillait tout le live, etc. Il y a eu de plus en plus de viewers et c'était assez fun. Et à un moment, donc il y a 5-5 en recherche de destruction, elle faisait tout pour qu'on perde. Et je suis en situation d'un V3. Au final, elle dit, bah en gros, ouais, bah vas-y, si tu le fais, vas-y, je le fais. Et du coup, bah, vu que je suis un pro, voilà, je suis professionnel, je fais le 1v3, voyez-vous. Et du coup, après, elle rajoute un truc. Elle dit, ouais, si tu deviens le top donator, blablabla, hop, je le fais vraiment. Sauf que. Faut savoir un truc, c'est que de base c'était pour une association. Moi, si je veux voir des boobs demain, bah il y a plein de sites faits pour ça sur You. On en dira pas plus. Hein, vous connaissez, je pense que tous ceux qui regardent cette vidéo, vous avez chacun vos sites. Mais voilà, aujourd'hui, si je veux voir des boobs, vous inquiétez pas, il y a pas mal de sites. Tu tapes juste sur Google Boobs, t'en vois plein. Hein, et des bien gros, hein, sans offenser Mia, bien entendu. Et du coup, pour l'association et pour enjailler un peu, continuer sur ce délire. Du coup, j'ai fait des dons, puis je me suis battu avec un autre donateur, etc., qui a fait plus de dons. Donc, c'était bien dans le sens, parce que pour l'association, de base, ils étaient à 150€ de dons dans la soirée. Ah, on a déjà tout royauté, frérot. On arrive un peu tard. Exopunk. Nice. Et bref, du coup, après ça, donc j'ai dit de base, c'était 150€. Tag 19 royalty. Bon, par contre, les royalties, tu sais, c'est dans les dégâts, les gars, qu'il faut mettre ça. Quand t'es royal, c'est dans les dégâts. Tu mets pas ça dans les précisions, on s'en fout la précision. On est là, nous, tire au pif, et on veut tuer en une balle, c'est tout. Casque luminescent, on a déjà. Et ouais, du coup, au final, je suis monté jusqu'à 1000, parce que de base, en allant sur ce live, j'avais prévu, bon, je vous cache pas, j'avais pas prévu non plus de faire 1000, j'avais prévu d'au moins donner assez, genre 500€ de dons, histoire vraiment que, parce que forcément, les mecs qui étaient sur le live ne donnaient pas forcément, et je peux les comprendre. Casque bio, non, masque biohazard, ça c'est cool, ça on a déjà. Et en plus, après, il y a le farfadet qui est passé, qui a donné 1100, qui a même donné plus pour suivre le délire et sauver Mia, de montrer ses boobs, etc. Donc voilà, c'est surtout pour ça, pour l'association de base. Il y en a beaucoup qui sont venus sur Twitter en mode oh, faut que tu nous expliques l'histoire avec Mia, t'as donné 1000 pour voir des boobs, blablabla. Dans les commentaires, il y a un mec qui a servi ça pour faire des vues, qui a mis Gotaka, 1000€ pour voir des boobs, qui a mis ça sur YouTube et je vois des. Il y a des commentaires.
c'est tellement misogyne ou des trucs comme ça, alors qu'il y a aucun rapport. Bah, c'est pour une association, c'est un bon truc. En plus, je voulais pas trop en parler. M1 Iron Sendon, portez plus de. Faut faire quelque chose là, rajouter des balles ou quelque chose, mais porter, on s'en fout. Ça tue. Non, c'est un sniper ce gun. Exode Chrono de KVA, bon, ça c'est old, hein. C'est old school, ça, hein. C'est. Has-been. Bref, donc j'ai fait 1 000 € dedans, etc. Donc moi je suis content, j'ai fait ma petite bonne action, tu vois, je me dis ouais, voilà, mon karma il va être bon, etc. Et il y en a plein avec ce côté argent, Sacred Bleeding Glory, celui-là on l'avait pas, celui-là il est cool. Il y en a plein avec ce côté-là qui essaie de buzzer sur ça. Oui, Gotaga donne masse argent pour voir des boucles, blabla, pour buzzer, etc. Alors que de base ça part d'une bonne action, tu vois, et genre les gens viennent me casser les couilles par rapport à ça. Oui, on veut des explications. Alors en plus moi tu sais, moi j'ai voulu faire bon prince, tu vois, genre pas trop en parler, j'aime pas être ce côté là où genre ouais j'ai fait 1 000 € de dons, le dire sur Twitter, le dire sur Facebook, le dire dans chaque vidéo, blablabla pour me faire passer pour un super héros. Non, j'aime pas du tout ce côté là, moi j'en ai pas du tout parlé, genre j'ai fait un syndologue après, je n'ai même pas lâché un mot, je dis que j'ai fait partie d'un live caricatif. Bref, tu vois, ce genre de box, dégâts plus 3, c'est ce qu'on veut voir les potes. Ça c'est une bonne arme. Mon précision moins 3, tu loupes pas ta balle. Mais tu vois, là c'est sûr que tu one shot normalement. Et bref, là, du coup, je vous en parle dans cette vidéo parce que, voilà, c'est clair que recevoir des commentaires négatifs par rapport à une bonne action que j'ai faite, bah, ça me casse un peu les couilles. Bon, ça, on a déjà. Que demande le peuple? Que demande le peuple? Tu vois, ça, bon, j'ai déjà tous les trois, mais ça fait kiffer, tu vois. Ça fait kiffer, ce genre de box. Ce genre de box, ça fait kiffer. Et vous, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire combien vous pensez que je gagne, honnêtement. Juste pour me donner un ordre d'idée, bon, je vous dirai pas dans cette vidéo combien je gagne, je pourrais vous donner une fourchette si vous préférez, mais c'est clair que ça m'intéresse parce qu'il y en a qui pensent vraiment que je gagne genre 1 000 € par mois, et j'avoue qu'ils se trompent, et d'autres qui pensent que je gagne des milliards par mois et que je suis dans mon jacuzzi et qui se trompent aussi, voilà, pour être honnête. Donc ça. Celle-là, là, on a galéré pour l'avoir, les potes, on a galéré, on a bataillé pour l'avoir. Et aujourd'hui, on s'en fout de l'avoir, aujourd'hui, on s'en fout, on veut du royalty. Donc ouais, non, ça m'intéresserait de savoir ce que vous en pensez par rapport à ça, en sachant, pour vous donner un peu les ordres d'idées, donc je gagne de l'argent grâce au côté compétitif, c'est-à-dire tous les tournages Infinity, en sachant qu'il faut savoir que dès que tu finis dans le top 3 d'un tournage Infinity, on a limite tous les soirs, t'arrives à une somme assez conséquente à la fin du mois. Il y a les LAN, bien entendu, il y a les sponsors, il y a mon salaire chez Millennium, il y a le streaming, les vidéos, il y a les dons. Ah bah alors écoute, ils veulent que je m'habille en Biohazard, on est d'accord, ils veulent que, tu vois. Je comprends pas cette arme, clairement je la comprends pas. Non, dites-moi l'intérêt d'avoir cette arme. Ce genre de box, les potes, ce genre de box. Bon, je sais pas ce que fait ce gun vraiment, maniement. J'ai jamais compris ce stat maniement. Il y a aussi les opérations spéciales. Oh, pas mal, tu vois. Les opérations spéciales, en gros, ça consiste à, bah, par exemple, je suis invité sur Cyprien Gaming pour un live X ou Y, bah, je serai rémunéré pour ma présence, etc. Pour tout ça. Il y a ça aussi qui rentre en compte. Donc voilà, j'aimerais bien savoir. Qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires, combien machin, sans compter les rageux qui sont là, blablabla. Mais voilà, faut se dire un truc, c'est que même si j'ai acheté ces box là, c'est grâce à PayPal. PayPal, c'est un des rares trucs où je ne suis pas pris autant que par le biais de ma société. Parce que forcément, PayPal, c'est. Bon, c'est une autre histoire, bref. J'adore. J'adore. On l'avait déjà, je crois. On a tout ça déjà, mais ce genre de box, tu vois, là, ils font kiffer, ils disent. Franchement. T'as de la chance. Atlas, par contre, lui, tu vois, pourquoi t'enlèves 3 dégâts pour mettre 3 maniements? Genre, c'est mieux. Non, mais c'est n'importe quoi. Faudrait que quelqu'un m'explique ce que c'est maniement, parce que je comprends pas vraiment ce genre de stade. Genre, pourquoi tu préférais du maniement à du dégât, tu vois? Oh, super, je manie super bien mon arme, mais je fais que des hitmarkers. Grosse soirée. Est-ce que vous avez le seum? Est-ce que là, tu vois, encore une super box avec The Morse The Doctor, tu vois? Celui-là, c'est cool. Celui-là, on s'en jaille. Exo-passion. Ça, c'est pour les lovers, ça. Tu vois. Ça, c'est pour les mecs comme Ronan et... Comme Ronan et Melo qui sont là à GoDM et qui perdent des filles, tu vois. C'est genre... voilà. Celle-là, elle est pas mal. Celle-là, tu vois. T'as une poignargo intégrée. Précision plus 1. De portée plus 2. Bon, t'as moins de balles. Ah, tu peux même... Ah, d'accord. Tu peux pas mettre tous les accessoires. Bon, elle a l'air quand même cool, tu vois. Et on l'avait pas. Donc je cache pas que là on est même pas à la moitié, tu vois, je me suis dit, vas-y, je vais vous parler de ça un peu vite fait dans ma vidéo. Mais c'est clair que là on arrive à un moment où je suis même pas à la moitié des box en fait. Le truc, la vidéo que je vais devoir couper, bon on l'a déjà, putain, une autre. On l'a déjà débloqué tout à l'heure, mais ça fait déjà 3 royalties, c'est cool. Mais je pense que
Xo-Royauté. Je pense que là, tu vois, je vais vous mettre que les moments où c'est des box de folie. Pas comme celle-là, tu vois. Tu vois, cette box-là, tu vois, elle est pas trop mal encore. Ce Squid Bolt, même si c'est une recrue, je sais qu'il y a pas mal de snipers qui kiffent ce petit sniper. Et qui voudraient l'avoir. Et qui est limite aussi rare que l'élite. Casque neuro. En fait, le truc, c'est que c'est bien ça, mais en fait, c'est dommage qu'il n'y ait pas tout l'attirail, tu vois. Ça, j'aime bien, tu vois. Ça, c'est une bonne arme. Ça, tu vois, c'est un bon élite. Ça, c'est du vrai élite. Je l'ai déjà, mais c'est du bon élite. Si je vous conseille, si vous le débloquez, franchement, Terra SND en ligue, c'est le feu. C'est le feu. Vous courez partout, vous one-shotez tout le monde, c'est le feu. Casque à la gun, on en a déjà. Et aussi, un autre truc. Pour ceux qui veulent savoir, le truc c'est que même quand tu te fais une société, parce que je crois que j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, je sais pas trop où j'étais perdu avec toutes ces box. Ça se trouve j'ai même pas fini mes histoires de tout à l'heure. Gants Biozard, ils sont stylés ces gants par contre, ils sont vraiment stylés, en game ça doit être pas mal, on essaiera ça. C'est à dire que la société, tu vois, même son titre en fait, tu sais pas trop où la mettre. C'est à dire que tu peux pas la mettre, je sais pas, dans revente de d'objets, de voitures ou j'en sais rien, non tu peux pas en fait. C'est à dire que pour faire des frais de société, du coup il y a pas mal de choses. En gros, faut, pour mettre des frais de société, pour que tu payes moins de charges, etc., il faut que ça soit en rapport avec ce que tu fais. C'est à dire que là, demain j'ai envie de m'acheter un nouvel écran BenQ par exemple, bah, je peux le faire passer sur les frais de la société justement. Ça c'est un avantage d'avoir une société. Mais tous les autres trucs que c'était pourrait faire, bah moi je pourrais pas forcément. Je suis même pas sûr que je peux prendre une voiture sur la. Ouh, Piatek Lopol, celui-là on l'avait pas. Oh, maniement zéro. Alors cette arme, faudra que j'essaye pour voir vraiment ce que ça fait quand t'as pas de maniement. À quoi sert ce stat? Je pense que ça sera vraiment utile. C'est-à-dire que je suis même pas sûr que je puisse prendre une voiture de fonction avec ma société parce qu'il y a aucun vraiment rapport avec ce que je fais dans le gaming. D'où je gagne l'argent pour cette société justement. D'ailleurs, peut-être ça si, peut-être la mettre en tant que voilà voiture utilitaire pour ce déplacement là. Mais bon, voilà, il y a pas mal des avantages que les gens ne s'aiment pas, contrairement à un vrai boulot. En sachant aussi par exemple que je cotise pas pour ma retraite. C'est-à-dire que plus tard j'aurai pas. Ouh, Exo Cowboy. On l'a déjà je crois. Et je pense que les gens ne savent pas ce que c'est de ne pas cotiser pour la retraite. Donc du coup tu mets un peu de côté. Mais ce que tu mets de côté grâce à cette société, bah, le truc c'est que minimum 50% sont pris dessus. Donc je vous cache pas que c'est un peu la crise par rapport à ça, vraiment, clairement. Après je me plains pas non plus parce que c'est clair que là j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir vivre de ma passion. Je peux gagner de l'argent grâce à vous, même si vous payez rien du tout, par le biais des streamings, etc. Si vous êtes beaucoup, si vous êtes nombreux, si pour mes vidéos vous êtes nombreux à les regarder, etc. C'est clair que vous pouvez m'aider à mieux gagner ma vie encore. Mais même malgré ça, j'aurai un gros pourcentage qui ira à l'état. Voilà, aujourd'hui, NA Streaming. Cadence, tu vois, lui il a l'air bien. Bon, c'est le sniper explosif, tu vois, c'est un peu bâtard de jouer avec, mais il est quand même bien. Et je sais pas, je voulais vous en parler parce qu'aujourd'hui c'est un peu tabou de parler de tout ça, etc. Mais je tenais à vous en parler pour un peu enlever tous les doutes que certains peuvent avoir. Donc oui, je vais être honnête avec vous, je gagne plus de 2000 euros. Ça vous pouvez être sûr, mais je gagne moins que 20 000. Ça vous pouvez être sûr aussi. Et vu que c'est des variables, je pourrais même pas vous dire exactement combien je gagne, quoi. C'est un truc de ouf. Le seul truc que j'ai de concret sûr, c'est via les sponsors, via mon salaire minimum. Après, bah si je me fais défoncer en compétition, si on gagne aucun tournoi Gfinity, si par exemple regardez, ça fait un mois que j'ai pas streamé limite, voilà, donc forcément c'est des variables qui font que je peux gagner très peu, comme, enfin quand je dis très peu à l'échelle gaming, ça peut être très peu, en sachant que tu cotises pas, en sachant que 50% minimum vont être pris dessus, etc, etc, les potos. Alors lui, ça fait 10 000 ans qu'on le débloque, hein. Lui, ça doit faire le quatrième qu'on a depuis le début, si chez Delic, il kiffe, hein. Casque neuro aussi, hein, bon je sais que j'ai dit Brian, mais quand même, arrêtez les potes. Ouh, Bulldog Mancy. Bon, par contre, un peu nul le petit viseur qu'il y a dessus, mais bon. Celle-là, j'ai jamais compris la cadeau Finger Trap. C'est-à-dire que, en fait, tu ne peux rien mettre dessus, mais strictement rien mettre. Bon, maniement plus 3, c'est cool, mais tu peux rien mettre dessus. Faudrait qu'on m'explique l'utilité. Voilà, voilà, c'est bloqué. C'est bloqué. Ça sert à quoi? Amélie Royalty! Cadence plus 2. Bon, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de balles. Mais allez, Violette, allez, Royalty, cadence plus 2. Grosse soirée. Ça, c'est aussi un bon pack. Ça, tu vois. Quick Bolt, Royauté. Voilà, je kiffe. Que demande le peuple? Alors je connaissais pas cette Amélie, mais regardez encore une fois ce pack, ça fait le quatrième ou cinquième je crois comme ça, hein, de Mass Elite là, c'est cool. Oh regarde, putain.
Bon, ça c'est pour Ronan, petite dédicace à toi. Je sais qu'il y a la balle 27 royalty, il faut qu'on la débloque, mais la petite obsidian, ça doit faire la 4ème, 5ème, et Ronan l'a toujours pas débloqué, donc on kiffe, tu vois, on prend. On prend, Ronan l'a toujours pas débloqué, il verra cette vidéo, il aura le seum, on prend. Dégâts plus 3, et il a 18 de dégâts ce sniper. Putain, le truc explosif quoi, le truc tu te prends explosion, t'as gilet pare-balles, tout ce que tu veux, ah t'exploses direct frérot, mais direct. Ouh, mais qu'est-ce qu'on voit, encore une Madame Speakeasy, hein, avec un petit casque Tiki. Ça fait plaisir, le petit pack. Ouais, et même ce pack, il est bien, hein. Parce que la Hall Puncher, je vous assure qu'elle met des vrais punchers, mais vraiment. Et là, le petit Biohazard plus le Surfer. Nickel. Let's go. Bon, il... Quoi? Cadence plus 2, j'allais dire, il pue la merde, mais cadence plus 2. Quand tu veux t'amuser, aller mettre que des flash cop, un petit gameplay de sniper. Il a l'air super ce sniper royalty là, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on va pas se plaindre, il a l'air super, ça fait la troisième arme royalty, et c'est cool. Regardez ça. Regardez ça. Mais c'est trop beau. Mais c'est trop beau les gars. Bon par contre la SM1 Strider, faut bien viser avec, hein. Faut être en 106-2, hein, parce que précision moins 3, ça pardonne pas. Ouh, encore la cape 5 royalty avec les gants blancs. Bon, par contre, elle, elle nous veut. Elle, nous dit, écoute, Gotha, t'es un joueur SMG, testez-moi, tu vas voir, tu vas pas le regretter. Deux élites et le Quick Bolt. Ouh, AK12 royalty. Bon, c'est encore la même merde où j'imagine que tu ne peux rien mettre dessus. Bah oui, forcément. Mais, voilà, on a encore une royalty. Ouh, EM1 Polar Vortex. Cadence plus 1, pas mal. Bon, par contre, mobilité moins 3, mais bon, on va faire avec. Let's go! Bon, celle-là, on l'a débloqué tout à l'heure, les fameux 3 dégâts en plus, mais celle-là, tu vois, 5 3 royalty, un petit viseur en plus. Bon, maniement, on s'en bat les couilles, comme j'ai dit. Et plus 3 de dégâts, cette SMG, tu vois. Meilleure cadence de tir de sa catégorie. Bon, je pense que ça doit être aussi les meilleurs dégâts de sa catégorie, là, pour le coup. SM1 royalty. Bon, cadence plus 2, c'est un petit tir rapide avec chargeur grande cap. On va pas se plaindre, ça a l'air plutôt cool. On a un casque à la gun avec. Que demande le peuple encore une fois, les potes? Un K12 RIP. Par contre, celle-là, elle est... Et je l'avais pas depuis le début. Celle-là, tu vois. Celle-là, tu peux cliquer et mettre des trucs. Celle-là, c'est une vraie élite. Celle-là, tu vois, tu t'es content de l'avoir, tu vois. KF5 royalty, non mais ils veulent vraiment que je joue à la KF5. Ça va faire la 6ème fois qu'on l'a depuis tout à l'heure. Pas mal. Alors, Outlo, qu'est-ce que t'as de bien? Donc, il y a plus de balles. Non, il n'y a pas plus de balles. Pff, portée moins 2. Ouais, je sais pas. Qui a envie de mettre un pouce rouge maintenant tout de suite là? Qui? Vas-y, dites-moi là, parce que là, putain. Insanity, mais elle est tellement bien. Précision, portée, maniement. Oh, mais c'est nul, putain. Pourquoi ils font pas des. Il booste les stats qu'on n'a pas besoin sur cette arme. Morse royalty encore et encore. Hein. Oh là là. Sac 13 royalty. Mais attends, mais il nous donne les mêmes depuis tout à l'heure. Non, parce que là, c'est de la douille. Je sais très bien qu'il y a une putain de balle 27 royalty. Ils veulent pas nous la donner. Balle 27 Inferno Exolagon. Ça va, mais c'est toujours pas celle-là que je veux. Toujours pas celle-là. Pas mal. Pas mal aussi. Pas mal encore une fois. Je crois qu'on l'a déjà, je suis pas sûr. Mais le petit dégât plus 3 là, ça fait du dire. Non mais vas-y, non mais là il y a un script, c'est pas possible. C'est pas possible. Là c'est un bon petit pack ça les potes. Voilà, c'est ça qu'on veut. Bon, elle vaut pas la obsidian. Tu vois, mais au moins on peut dire on a la royalty, on peut dire on a une petite cadence plus 1, bon mobilité moins 3, tu vois, c'est plus pour de la SND, mais voilà, on l'a enfin. Putain. Plus de dégâts. Non, je rigole, calmez-vous. MK14 Eclipse. Tu vois, elle a l'air cool, tu vois. Elle est cool. Bon les potes, il nous reste maintenant plus que 5 box. Pour débloquer je ne sais quoi, parce que nous avons eu tout ce que nous avons besoin. Qu'est-ce que de surfer? Il me semble qu'on l'a pas mal de fois.
Qu'est-ce qu'on a? Celui-là, on a dû le avoir au moins 10 fois. Alors, je vous cache pas que... Faut pas en prendre 500 non plus, ça sert à rien. Tu débloques des trucs en 10 000 fois le même truc. Mais au moins, tu vois, je suis sûr d'avoir débloqué tout ce que je voulais. Là, ils peuvent pas me surprendre. Non, normalement, tu vois, ils peuvent pas... Est-ce qu'ils vont me surprendre avec la dernière box? Je pense pas, tu vois. Ouais, c'est pas un autre croyant qui va me surprendre. Et attendez, on avait deux petites boxes normales à ouvrir. Ça se trouve là, c'est le Graal. Ouais, un renfort, c'est tout ce que je voulais. J'ai jamais compris ça, hein. Faut qu'on m'explique. Hein. Vraiment là. Ah, mais tu dis ça, mais celui-là, il me semble que. Sur 500 box, il me semble que je l'avais pas, hein, je rigole pas. Tire et cap. Voilà. Oulala, c'est qu'on en a pas mal, dis donc. Oulala, c'est qu'on a pas mal les mêmes armes, dis donc. Voilà, on va faire un petit tri rareté, on va voir ce qu'on a en. Waouh! Alors attendez. Reprenons de base. Donc, Figure Trap, on en a 3. Donc, on n'a qu'une seule avec A12 Royalty. De Amélie Royalty. Donc, quand on passera le prestige, au moins, limite, on peut passer un prestige gentil juste en vendant nos objets élites. Hein. Ça, c'est plutôt bien. On a 4 Speakeasy. On a 4 Strider. 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 Obsidian. Oh putain. Regarde tout ce qu'on a en double. Regardez les cowboys là qui sont arrivés depuis tard. J'en avais aucune de cowboy avant qu'on fasse ça. Donc on va dire qu'il y a une botte tous les 90 box. Bon alors ça, il y en a une toutes les box limite on dirait. Facehammer, alors ce pont je le kiffe de ouf, j'en ai 3. Casque blanc, putain on en a pas mal. On a pas mal, casque de Kraken on a pas mal hein, franchement. Ah bah là on a beaucoup à l'avant. Comme je vous disais, on en a eu beaucoup de psychédéliques chelous là. Ah franchement, on peut vraiment passer un prestige. Ah par contre, les casquettes, cette gemmer, ils nous ont kiffé. Hein. Chapeau de paille. Chapeau de paille, qu'est-ce que je dis? Là, chapeau de chat. Les cowboys, on a eu masse. Chapeau de surfeur, on en a eu masse aussi. Non, pour l'instant, je vends pas quand je passerai mon prestige, justement, si je le passe. Bah, regardez tout ce que j'ai à vendre, les potes, tout ce que j'ai en doublon. Bon, je vous cache pas que c'est complètement useless, hein, mais au moins, tu vois, là, on est sûr de tout avoir. Et ça m'a fait plaisir de vous faire ce petit opening pack. Donc pour que vous voyez un peu ce qu'on peut débloquer en achetant 500 box, ça sert strictement à rien, hein, clairement. Exonero, on a débloqué. Franchement, tout ça là, on n'avait pas. Hein. On a débloqué tellement de doublons. Et regardez le nombre d'exo royauté que j'ai. C'est n'importe quoi. Dommage qu'on puisse pas s'échanger ou revendre derrière, tu sais. Ah oh, putain. Regardez, j'ai déjà 50 pages d'élite. Ah non, mais je peux limite passer un prestige. Oh là 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 là. Ah, on en a pas mal. Regardez le nombre de KF5 Royalty qu'ils nous ont passé, ces bâtards. 4 seulement? Ah, je m'attendais à plus quand même. Je m'attendais à plus. Donc ça, on a eu, on est content de l'avoir. On a eu 2 Mars Royalty. On a 3 The Doctor. Excusez-moi les potes. Ah non, mais là, on a trop de trucs. Hein. Par contre, regardez le pantalon Royalty, genre, j'en ai eu qu'un seul. Hein. Le truc, il est super rare. Tiens, quand je sais pas combien de box ouvertes... Là aussi, ils nous ont un peu trollé, nous en ont fait 3, bon. Non, mais je vais arriver à 100 pages. Ah non, 80 pages. 80 pages d'élite. Enfin, 79 plus 1 page d'élite. Donc voilà, c'est tout. J'espère que vous avez quand même aimé. Pour tous ceux qui sont là juste pour troller. Oh, t'as mis combien d'argent, blablabla, ça sert à rien, ça m'atteint pas, blablabla. En tout cas, j'espère que ça vous a fait plaisir. Ce petit opening pack, c'est le cas. N'hésitez pas à lâcher un petit j'aime. J'espère avoir répondu à vos questions pour ceux qui se posent des questions sur ce que je gagne, etc. Je pourrais refaire une FAQ si vous avez mal compris les choses, si vous voulez que je fasse des choses plus approfondies, vous me direz. En tout cas, moi, je vais pouvoir me faire mes petits persos, là, c'est cool. Enfin, parce que là, mes persos étaient dégueulasses sans le truc, sans l'équipement Grandmaster. Donc, on va essayer de se faire un truc sympa. Et puis voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, faire part de vos ressentis dans les commentaires. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, tout simplement, les potes. Voilà, plein de bisous, tchuss.